Je commençais d'abord par féliciter l'Office de transport en Communauté Burundi au Traco pour son pas franchi en matière de modélisation de ses services techniques. Et par la même occasion, je félicite tous ceux qui, de près ou de loin, depuis plus de 5 ans, ont travaillé sur ce projet jusqu'à son aboutissement que nous célébrons aujourd'hui. Je fais allusion aux différents techniciens des différents ministères, au cadre de l'État, au gouvernement dans son ensemble, et qui, comme je le disais, depuis 5 ans, on s'est penché sur ce projet et dont aujourd'hui nous saluons la concrétisation. Après avoir visité les différents endroits dans lesquels le projet concret sera réalisé, nous venons de comprendre que l'Office de transport en commun au Traco qu'on connaissait hier, ce n'est pas le Traco qu'on connaîtra demain. Il nous a été expliqué beaucoup d'avantages qui seront offerts par ce projet, des avantages liés à la mesure de qualité des services qui était jusque-là offert par l'Otraco. On nous a démontré comment les choses seront faites de la manière la plus complète, de la manière la plus rapide. Il nous a été expliqué ce que les uns et les autres vont tirer de son projet, et en commençant par l'État, bien sûr, dont la Caisse connaîtra une nette amélioration à travers l'Office Burundais des recettes, les investisseurs, parties gouvernementales comme parties secteur privé, qui ont apporté les moyens financiers nécessaires pour que ce projet soit concrétisé, mais beaucoup et surtout les usagers, ceux qui s'adressent également ici à l'Otraco, qui verront la qualité des services offerts améliorée. Alors aujourd'hui, un autre élément que je voudrais souligner, c'est que à travers l'événement qui nous réunit cet après-midi, et pour moi, c'est un autre exemple qui prouve à suffisance que la formule partenaire public et privé, la formule PPP, ça marche. Ça marche dans notre pays. On vient de le démontrer ici au siège central de l'Otraco. Et notre souhait, c'est que ce qui vient d'être démontré ici le soit en pratique, non seulement ici, mais aussi dans les autres agences de l'Otraco qui sont dans certaines autres villes du pays, à Bururi, à Gitega, à Ngozi. Mais je fais également allusion aux autres secteurs de développement économique parce que je me dis que ce qui est possible sous le PPP ici à l'Otraco peut l'être, n'est-ce pas, dans les autres secteurs du développement économique de notre pays. Et par ces mots, donc, je lance un appel vibrant aux autres investisseurs qui n'hésitent pas, qui n'aient pas peur. Nous sommes là pour les écouter, nous sommes là pour les acquérir, nous sommes là pour les orienter, nous sommes là pour nouer des relations de partenariat avec eux pour que des projets comme celui-ci soient inaugurés, soient exécutés, non seulement dans le secteur de transport, mais aussi dans les autres secteurs de la vie économique de notre pays.